Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les fidèles catholiques à travers le monde ont célébré le 31 mars la fête de Pâques, fêtant la résurrection du Christ. Le pape François, dans sa traditionnelle bénédiction à la ville et au monde, a de nouveau appelé à un climat de paix. Dans cette édition également, retour sur l'incendie d'un dépôt de gaz butane à la Riviera Bonhumain, une explosion qui, bien qu'elle n'ait fait aucun blessé, a causé de lourds dégâts matériels. Et au Togo, l'adoption de la nouvelle constitution déchaîne les passions, tant parmi les membres de l'opposition qu'au sein des populations. De l'Ukraine à la bande de Gaza, sans oublier la République démocratique du Congo, le Mozambique et le Soudan. S'adressant aux fidèles de la place Saint-Pierre et aux fidèles du monde entier, le pape François a appelé à la résolution des conflits armés dans le monde. Le souverain pontife a notamment appelé à ne pas céder à la logique des armes en insistant sur l'épuisement des civils pris au milieu de ces différents conflits. Souriant et affichant ce qui semble être une bonne forme, le pape François s'est offert un bain de foule dans les allées de la place Saint-Pierre, sous les acclamations de quelques 60 000 fidèles, au bord de sa papa mobile. De quoi rassurer ces derniers, notamment après l'annulation de la participation du souverain pontife au chemin de croix du Vendredi Saint. Des flammes ardentes et une forte odeur de gaz. Le quartier Bonhumain de la Riviera 3 a été le théâtre d'un incendie le samedi 30 mars. Selon les riverains, des bouteilles de gaz d'une grande entreprise spécialisée ont explosé, surprenant tous les habitants du secteur. Chacun était dépassé. Et à notre grande surprise, on a l'impression qu'il y a des flammes qui s'élevaient, pom pom pom. Et après, on s'est rendu compte que c'était les dépôts de gaz qui étaient partis en feu. Et c'était vraiment, le son était vraiment grave. Même ça pouvait même réveiller le cadavre, je vous assure. Non, c'était vraiment fort. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ainsi que de nombreux policiers ont sécurisé le quartier. Le geste, on a été alerté pour un feu de dépôt de gaz. Donc, c'est immédiatement, nous nous sommes dépêchés sur le lieu. Heureusement, nous ne dénombrons pas de victimes civiles, mais uniquement que des dégâts matériels. Aucun blessé et aucune perte en vie humaine. Mais les dégâts sont à déplorer pour cette résidence de 4 appartements. Les habitants, dans le désarroi, ne savent plus à quel saint se vouer devant cet énième incendie. Ce n'est pas la première fois que l'endroit brûle. La première fois, nous nous sommes plaints. Nous avons adressé des courriers avec nos voisins à différents ministères. Nous nous sommes plaints, il n'y a jamais eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui, le feu a pris. Coup de chance pour M. Kalou et ses frères, l'intérieur de l'appartement a été épargné par l'incendie. Bon, pour l'instant, voilà, tout est intact. On dit Dieu merci. Dieu merci à Dieu toujours. Voilà, c'est ce que j'ai pu dire pour le moment. Des centaines de bouteilles de gaz calcinées jonchent le sol et un risque élevé pour ceux qui ont été épargnés jusque-là. Plusieurs autres risquent l'explosion. Les sapeurs-pompiers et la police sont sur leur garde. Il est 18h. Quelques minutes séparent les fidèles musulmans de la rupture du jeûne. Timité, chauffeur de taxi, s'apprête à rompre le sien. C'est l'heure de la routine, ça va couper ça au patronat, à le chauffeur de taxi. À Trècheville, Liftar est collectif suite à une initiative du haut patronat des transporteurs routiers. Les tables dressées, thé et café sont bien disposées dans les couverts et les nattes de prière sont quant à elles en train d'être installées. Avant l'annonce de la prière par le Mouedzin, les premiers repas sont servis dans une ambiance empreinte de spiritualité. Outre Timité, de nombreux responsables du secteur des transports, des représentants du ministère et des syndicats étaient présents pour cet important rassemblement. Vous savez que nous sommes infiniment en train de vivre des moments simples, des moments de haute spiritualité. Au cours desquels un croyant musulman se tourne vers Dieu, l'adore, l'implore pour lui-même, sa famille, ses proches et ses défunts. Les transporteurs routiers musulmans, les concordeurs routiers chrétiens ne sont pas en dehors donc de cet état de fête. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis pour vivre ce moment intense, partager ensemble ce moment de jeûne qui nous réunit, qui nous rappelle ce que les livres saints ont dit, à savoir réunissez-vous, vivez ensemble, partagez ce que vous avez pour que vous puissiez atteindre la voie de Dieu. Alors que le soleil se couche sur cet événement, le début d'un nouveau chapitre de collaboration et de progrès pour tous les acteurs impliqués brille à l'horizon. Un conflit qui s'enlise. Déjà plusieurs années que le village d'Abata, localité située dans la commune de Bingerville, est en proie à une crise de chefferie. Le conflit oppose Jomon Yassine Cristal Méval et Joseph Abra Guahabito. Pour trouver une résolution, l'affaire a été portée devant le Conseil d'État, mais l'institution peine à rendre son verdict. Donc il y a cette procédure
voilà, le sursis à exécution, qui est un peu comme une procédure d'urgence. C'est vrai, on t'a saisi pour annuler, mais en attendant que tu annules, comme tu prends un peu de temps, habituellement, parce qu'il faut prendre le temps aussi de bien examiner les choses, pour ne pas faire les choses dans la précipitation, et puis se tromper. La jeunesse du village, elle, s'impatiente. À la sagesse des autorités administratives et judiciaires compétentes qui ont été saisies pour que la quiétude et la paix reviennent dans le village d'Abata. En attendant la décision de l'institution judiciaire, les villageois, quant à eux, ne savent pas vers qui se tourner pour régler certaines affaires courantes. C'est une pilule qui a du mal à passer. Au Togo, la nouvelle constitution fait débat tant dans les rangs de l'opposition, dont plusieurs rencontres ont été interrompues, qu'au sein des populations. Vraiment contre cette révision constitutionnelle. Puisque les députés en tête de mandature n'ont pas le droit de changer la constitution. Ils auraient dû passer par une consultation nationale, selon moi, pour avoir aussi l'avis de la population avant de faire ce changement constitutionnel. Je pense que c'est un coup de force constitutionnelle. Un manque de consultation pour certains qui ne dérange pas pour autant les autres. Je pense que cette révision qui a été opérée et qui bascule le pays d'un régime présidentiel, disons, un régime présidentiel dur à un régime parlementaire. Je pense que c'est une bonne chose parce que nous avons fait l'expérience donc d'un régime présidentiel au cours des 60 dernières années. Nous avons vu ce que cela a donné. Je pense qu'il fallait trouver un mécanisme qui pourrait nous permettre d'expérimenter quelque chose de nouveau. Cette réforme faisant acte de changement de régime fera l'objet d'une seconde lecture. Le président Fornia Simbé a en effet renvoyé le texte en deuxième lecture à l'Assemblée. C'est la fin de cette édition de 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.